Avant de venir ici, j'aurais jamais imaginé être capable de faire des choses pareilles. Bon, ça c'est grâce à Marie, puis à sa pédagogie, puis à sa patience, qui me montre la voie. Nous sommes dans une atmosphère bienveillante, harmonieuse et très respectueuse les unes des autres. Cet atelier de Marie Lavarande, c'est vraiment un tout, je pense, qu'il est difficile de retrouver ailleurs. Ici, j'ai une liberté que je n'ai pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, on me dirait, c'est pas comme ça, c'est pas les mesures, c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis, j'abandonnerai. Alors que Marie, elle arrive, elle enlève. Si ça ne va pas, si ce n'est pas de la sculpture, elle enlève. Voilà. Et cette complicité qu'elle crée avec chaque élève, qu'elle les connaisse depuis une semaine, un an, 30 ans. Il y a des élèves qui ont une ancienneté dans cet atelier ou le précédent, qui est tout à fait spectaculaire. Je regarde l'attitude que chacun d'entre eux peuvent avoir face à la terre. Et comment ils l'appréhendent, et puis le résultat au bout de 2 heures de travail. Et moi, je suis là que pour comprendre ça, comment ça marche à l'intérieur d'eux, et là où je peux les conduire. C'est pas moi qui le fais, c'est madame qui le fait. Hein. C'est Anne qui le fait. Elle m'aide. Il ressort de trop par rapport. Vous voyez, tout ça c'est pris dans la même ligne. Là, regardez, il a un truc qui sort beaucoup trop. Et ne pas oublier l'arrière aussi. Voilà, c'est sa queue qui va commencer à peu près ici. Non, je ne touche pas hein, parce que c'est. Hein, mais c'est pas parfait. Il a l'air borgne. Mais pas borgne. Mais si les bornes de face, regardez, il a le truc de la paupière qui tombe. Ben oui, ben il est mieux. Mais évidemment, il a la paupière qui tombe, il n'est pas comme ça. Moi, je trouve ça plus joli. Non. Non. Non, non. Il y a deux choses chez moi. Il y a la réussite de l'atelier, parce que l'atelier, pour moi, c'est ma famille, c'est une chose hyper importante. J'ai emmené ce bateau avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi. En fait, quelque part, je voulais recréer ce que pouvait être un atelier au 19e, c'est-à-dire un creuset dans lequel il y a les méthodes et le vocabulaire là où on peut apprendre, et que ça soit aussi un lieu de partage. Ça me paraît une chose hyper importante, que tout le monde puisse y trouver ce qu'il cherche, et une façon d'évoluer, une façon d'aller plus loin, de se trouver aussi, parce que quelque part on est aussi quelque part un petit peu les révélateurs. Alors ça, c'est l'atelier dans sa globalité. Et il y a aussi mon travail personnel, où je veux arriver à être sculpteur. Au tout départ, je voulais être comédienne. Ma mère, voyant que j'étais incapable d'aller, bien évidemment, dans une faculté faire des études, est allée m'inscrire aux Beaux-Arts, parce qu'à l'époque, je dessinais beaucoup. J'ai évolué dans une famille un petit peu carcan, vieille famille française, donc c'était un petit peu difficile quelquefois quand j'étais quelqu'un de rebelle. À
puis à la fin des Beaux-Arts, je me suis dit, bon, maintenant les Beaux-Arts, c'est fini. Je devais aller à Paris, continuer, faire des études de comédienne. Et puis à ce moment-là est arrivé dans l'atelier un monsieur que je connaissais bien, qui était chef d'orchestre à Paris, et qui me dit, Maria, vous faites quoi l'année prochaine? Mais je dis, l'année prochaine, je vais commencer mes études d'informatique. Il me dit, vous êtes complètement folle, ils vont vous pourrir, ils vont vous... Il m'a fait une telle peur que pendant le week-end, j'ai décidé, avec ma sœur, qu'on allait monter un atelier de sculpture. Voilà comment les choses ont commencé. J'ai monté mon premier atelier de sculpture, du côté derrière Deauville, et puis à ce moment-là, mon père a quitté ma mère, est allé s'installer en Afrique, et je suis partie en Afrique, voir mon père. Et j'ai failli pas rentrer d'ailleurs, parce qu'ils m'ont proposé un poste de professeur aux Beaux-Arts d'Abidjan. Bien sûr, j'ai refusé, et puis la sculpture. J'ai quelquefois essayé de m'en échapper, mais elle est toujours venue me rechercher. L'Afrique, je pense, après les Beaux-Arts, quand j'y suis allée la première fois, m'a donné ce premier souffle-là de liberté, où j'ai compris qu'il n'y a, voilà, il n'y a pas que le carcan familial qui vous empêche de... Ouf. Quand je suis arrivée ici, dans ce lieu-là, voilà, je naissais. Tous les lieux dans ma vie, les lieux qui correspondent à mon... À l'avancée dans mon travail, ce sont toujours des lieux qui m'ont été, qui sont arrivés comme sortant du chapeau du clown. Ça, c'est comme ça. Je me suis souvent posé la question de dire, je voulais être comédienne, et en fait, être comédienne, c'est être l'argile d'un metteur en scène. On est modelé par le metteur en scène. J'ai choisi la sculpture davantage, et c'est moi qui modèle, c'est moi le metteur en scène dans l'histoire quand même. Moi, je me suis toujours sentie dans mes chaussures, hein, ça oui. Mais les autres ne vous donnent pas cette impression-là. Ils vous jugent. Pourquoi il est douloureux, ce chemin? Parce qu'il est marginal, parce qu'il ne rentre pas dans les codes familiaux, parce qu'il... C'est...
J'ai toujours suivi ce que mes résonances intérieures me disaient de faire, ça. Toujours, toujours. Quand ma mère est morte en 2006, j'étais en train de travailler sur le cheval. Et 15 jours après la mort de ma mère, avec que j'ai eu pas mal de difficultés quand même, mais que j'adorais, j'ai rêvé qu'elle était enceinte. Elle avait 83 ans. Elle était enceinte, j'ai rêvé qu'elle était enceinte à 83 ans. Bon, ça va, c'est bizarre ce rêve, c'est bizarre. Neuf mois après, j'ai sorti ce cheval-là, la trilogie. J'en ai fait trois après. Et je me souviens que mon petit frère m'avait appelé, c'était au mois d'août. Et il me dit, ça va, tu... Je lui dis, oui, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai pondu mon œuf. Parce que c'est frustrant finalement de cacher quelque chose au fond de soi. Mais qu'est-ce qui va libérer cette parole ? Eh ben, c'est peut-être de mettre ses mains dans la terre. Travailler la terre, c'est un moment de ressourcement. J'aurais pu vous dire méditation, bien sûr. Quand j'ai découvert en fait la sculpture sur bois, j'ai découvert le lien, un lien avec moi-même et avec mon travail. J'étais enseignante et ça me faisait beaucoup de bien par rapport à, ça me calmait beaucoup par rapport à certaines situations difficiles dans ma classe. Ça me détend, ça vient vraiment de gratter, de taper, de rester 3-4 heures sur ma pièce, ça me détend. Je sors de là, je suis complètement détendue. C'est clair que moi, quand j'ai pas ma séance de sculpture pendant la semaine, je suis pas la même femme. C'est vraiment une bouffée d'oxygène. Quand je viens à l'atelier, c'est à chaque fois la plongée dans un monde nouveau, un monde de sérénité, où on peut se concentrer sur ce qu'on fait. J'ai beaucoup de plaisir à venir. C'est le plaisir de la concentration sur quelque chose. C'est le fait de pouvoir sortir quelque chose d'un morceau de bois. Une recherche spirituelle, peut-être, oui. Et j'y mets vraiment tout ce que j'ai envie de dire, tout mon cœur. Enfin, c'est quelque chose de recherche en vérité. Alors. C'est une femme d'un certain âge. Elle était en train de faire la cathédrale de Rodin, qui sont deux mains comme ça. Elle voulait le faire pour le mariage de sa petite fille. Et elle était en train de sculpter ça en terre. Elle faisait la chose en terre. Et un mardi, elle n'est pas venue. Et elle m'a appelée le mardi après-midi pour me dire que son mari avait eu un infarctus et qu'il était à l'hôpital et qu'il allait pas bien du tout. Et au moment, ce mardi-là où elle n'est pas venue, à 11h du matin, j'ai une de mes élèves qui s'appelait Sylvia, qui était italienne. Et il y avait positionné sur une sellette dans l'atelier la cathédrale de Rodin. Et tout d'un coup, Sylvia me dit, mais Marie, regardez, tout est en train de s'effondrer sous le... Oui. Tout est en train de s'effondrer. Je lui ai demandé, mais à quelle heure ça s'est passé ? Ça s'est passé au moment... Au moment où la cathédrale de Rodin s'est effondrée tous les doigts. Et le mercredi, quand elle m'a dit ça le mercredi matin, j'ai passé tout mon mercredi à remonter toute la cathédrale de Rodin pour surtout qu'il ne meure pas. Donc j'ai remonté toute la cathédrale. Il n'est pas mort, mais il est resté à l'hôpital très très longtemps. Il a eu un triple ou quintuple pontage, enfin très 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 atteint par ce truc. Mais il y a des choses invraisemblables qui se passent. Ça se passe davantage dans la terre, d'ailleurs, hein, parce que la terre, on fait en défait. On y met. C'est quelque chose de beaucoup plus tripal, hein, la terre. Ben on ose plus. Ah ben oui. Mais c'est tripal, ça a des résonances beaucoup plus intérieures, beaucoup plus bon. Familiales, beaucoup plus où on est obligé de sortir tout ce qui est à l'intérieur, malgré soi. Bon ben. Mais... C'est chargé.
c'est chargé. Il est arrivé bien d'autres choses à l'atelier, entre autres celle d'Isabelle aussi, où elle avait fait son père ici, et tout d'un coup, là, la chose s'est délitée aussi, et tout le visage est resté intact. Au moment du séchage, hein, pareil, un matin, je retrouve la sculpture coupée en deux, et j'ai Isabelle qui est quelqu'un de très très... qui a une sensibilité, une grande percussion aux choses, m'a dit, mais Marie, vous savez, mon père est mort il y a quelques années, il est mort d'une tumeur du cerveau. Et c'était toute la partie du cerveau qui était tombée. Ouf. Prêt, hein. Il faut dépasser, il faut traverser ses peurs, il faut aller plus loin. Il faut traverser ses peurs, quoi. Il faut écarter le rideau et tout d'un coup, la chose prend une autre dimension, vous êtes dans la lumière et voilà. Sauf que pour la Vierge de Villers, qui a été faite avec ma sœur il y a un certain nombre d'années, parce que ça devait être en 87, je pense, quelque chose comme ça, c'est une couleur qui s'est imposée. C'est-à-dire que quand je travaillais sur cette pièce-là, il fallait que je sois en noir. Je réalise peut-être aujourd'hui que le noir était peut-être une couleur qui me faisait disparaître quelque part par rapport à la pièce qu'on était en train de faire, et que c'était cette pièce-là qu'il fallait sortir, et que j'étais voilà, inexistante. J'étais au service d'une pièce en train d'être réalisée. Et un jour, je me suis retrouvée devant, là, avec une femme qui était en train de prier, qui était en adoration devant cette Vierge. Donc j'étais un petit peu interloquée, donc je me suis retrouvée à côté d'elle, et je lui ai dit, écoutez, je vous ai vu prier devant cette Vierge, pourquoi quoi. Elle me dit, mais cette Vierge, elle est hyper importante dans ma vie, elle m'a sauvé la vie, vous savez, elle fait des miracles, etc., etc. Alors j'étais un peu estomaquée, et j'ai eu cette réaction tout à fait stupide de lui dire « Écoutez, je suis ravie parce que cette Vierge, c'est moi qui l'ai fait. » On joue des partitions, on n'est pas des créateurs. Je ne crois pas à la création là-dedans. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'on n'est que des... On est des passeurs, mais on est surtout et avant tout des interprètes. Des interprètes avec nos propres sensibilités ou nos propres... Nous, on n'est rien de plus que des interprètes. Hein. On est au service, nous. Hein. Qu'est-ce qu'on est d'autre? Vous croyez pas? La sculpture, on la monte comme ça, elle arrive, et puis il ne faut surtout pas la fermer. Donc il arrive à un moment où on est sur une note particulière, où juste il faut s'arrêter, c'est bon, quoi. C'est juste. Tout ce qui est beau, c'est la seule chose qui peut nous sauver.